Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du mercredi 1er mars 2017, Alphacan investit à Sablé-sur-Sarthe. L'entreprise spécialisée dans la menuiserie PVC y transfère son siège social et de nouvelles activités. À la clé, une trentaine d'embauches. L'association de voyageurs usagers des chemins de fer se met en veille. Après presque 30 ans de combat, les militants espèrent de bonnes volontés pour relancer la machine. Enfin, des textes et des émotions, c'est le programme proposé au théâtre Lactalia au Mans. On y fait vivre des correspondances d'auteurs célèbres et anonymes. Et mon invitée, elle s'appelle Nicole Moutarde. Elle est médecin au groupement d'études des maladies en Sarthe. Et avec elle, nous parlerons de Mars Bleu, le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal. L'entreprise Alphacan investit 1 400 000 euros sur son site de Sablé-sur-Sarthe. L'investissement fait suite au transfert d'activités et du siège social de son site de Gaillac, dans le Tarn, vers la ville sartoise. Il en résulte de nouvelles lignes de production, de nouvelles infrastructures et des embauches pour cette usine spécialisée dans la menuiserie PVC. Le reportage sur place de Mathias Hubert. Le site Alphacan de Sablé-sur-Sarthe prend une nouvelle dimension sur cette parcelle. C'est un bâtiment de 1700 m² qui va voir le jour d'ici fin août, suite au transfert des activités du site de Gaillac dans le Tarn vers Sablé. C'est un investissement assez conséquent. Il servira à pouvoir faire la distribution au niveau national pour tous les profilés PVC que l'on fabrique sur le site. Cette nouvelle ligne de production sont en train d'être installées et le siège social de l'entreprise sera lui aussi transféré. Une réorganisation profonde avec à la clé une augmentation de la production. De 32 tonnes de PVC produites par jour actuellement, le site de Sablé passera à 42. Un investissement de 1,4 million d'euros pour le groupe. Bien évidemment, nous allons intention de conquérir de nouvelles parts de marché, puisque Alphacan est orienté au niveau développement, au niveau recherche et développement et innovation est très présente. Et ceci fait qu'on va travailler pour avoir de nouvelles parts de marché. Pour tenir la cadence, une trentaine de salariés vont être recrutés, dont certains depuis le site de Gaillac. L'usine de Sablé emploiera à terme une centaine d'employés contre 70 aujourd'hui. Et convoqué le 15 mars prochain pour une mise en examen, François Fillon persiste et signe. Il maintient sa candidature aux élections présidentielles. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans une conférence de presse qui se tenait ce mercredi midi, faisant fi de ses promesses précédentes. Dans un discours ferme, déterminé, le candidat martèle sa volonté de ne pas céder, arguant une enquête à charge et un assassinat politique, pour reprendre ses termes. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Une posture qui ne fait pas l'unanimité. Bruno Le Maire a annoncé sa démission 2 heures après le discours, de même que Arnaud Robinet et Franck Riester. L'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, suspend quant à elle sa participation à la campagne de François Fillon. Le nombre d'élèves est en baisse, mais la Sarthe se voit dotée de 20 postes supplémentaires. Le comité technique spécial départemental de la Sarthe s'est tenu le 28 février et l'on peut d'ores et déjà tracer les grands contours de la carte scolaire 2017. On attend 669 élèves en moins dans le premier degré. Ce sont donc 25 fermetures de classe qui sont prévues à la rentrée et 17 ouvertures. Et ce n'est pas une, mais bien deux actualités pour l'AVUC, l'association des voyageurs usagers des chemins de fer. Son président vient en effet d'être relaxé dans une affaire de diffamation concernant une filiale de la compagnie allemande Deutsche Bahn. Autre information de la journée, l'association de défense des voyageurs a annoncé aujourd'hui se retirer du circuit. Après 30 ans de combat, elle se met officiellement en sommeil. Les détails dans ce reportage. Cette filiale de la Deutsche Bahn, elle travaille avec des trains poubelles, des trains mal entretenus. Elle travaille avec aussi des roulants de la SNCF, des anciens roulants de la SNCF qui sont partis à la retraite et qui vont opérer sur ces trains. Ces paroles de Willy Collin en 2014 sur le plateau de C'est dans l'air lui ont valu 2 années d'angoisse. Accusé de diffamation par la Deutsche Bahn, il vient d'être relaxé au nom de la liberté d'expression, un soulagement.
Bon, ça se termine bien, mais ça veut dire que c'est pas simple aujourd'hui de s'exprimer publiquement sur des choses qui sont concernantes. Là, il s'agissait de sécurité pour les usagers des trains. Il y a en face de nous des intérêts économiques qui mettent beaucoup de moyens pour faire taire les militants qui plaident ces causes-là. Il encourait plusieurs milliers d'euros d'amende et une inscription au casier judiciaire. La deuxième annonce de l'association est sans lien avec la première. Moins d'adhérents qui préfèrent les collectifs dédiés à une ligne et un train en particulier. Plus de légitimité, l'association se met en sommeil. On n'est plus des usagers au quotidien du train. On reprend le train, bien sûr, mais irrégulièrement. Et quand on n'est pas dans le train tous les jours, on n'est pas au fait des problèmes. On ne peut pas organiser parce que c'est dans le train qu'on rencontre les gens et qu'on prend connaissance des besoins, des plaintes. L'association n'est pas dissoute. Les statuts sont conservés dans l'espoir de trouver de bonnes volontés pour prendre le relais. La VUC comptait dernièrement 75 adhérents. Et de la bière sartoise médaillée au Salon de l'Agriculture. David, et Isabelle Lux tiennent la brasserie, décidément j'ai du mal quand on parle de bière, pourtant je promets j'en ai pas bu. Hein. Donc ils tiennent la brasserie artisanale du doux nom de Joli Cœur, installée à Laigné en Belin. Ils viennent de décrocher la médaille de bronze au Salon pour leur bière blonde. Une véritable reconnaissance et un coup de pouce pour ce couple installé depuis 2 ans en Sarthe. Ils n'ont démarré leur production qu'en juin dernier. On écoute la réaction de David Lux au micro de Mathias Hubert et Claire Garling. La Chambre d'agriculture a envoyé un délégué pour faire le prélèvement de l'échantillon. On a envoyé ça et lundi, on a attendu patiemment les résultats et on était vraiment très très contents d'obtenir une médaille. Quoi. Surtout après si peu d'activité, ça fait juste depuis juin 2016 qu'on commercialise nos bières. Quoi. On espère évidemment que ça va tirer à nos ventes et aussi à notre popularité en dehors du département, car pour l'instant on est juste implanté dans le département et on vend en circuit assez court, quoi, on va dire. Et on découvrira la brasserie Joli Cœur dans un reportage dans notre édition de demain. Aussi bonne soit-elle, la bière est à consommer avec modération. C'est d'ailleurs un facteur de risque aggravant du cancer colorectal. Et nous avons justement avec nous en plateau Nicole Moutarde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin coordinateur au groupement d'études des maladies en Sarthe. Et ce mois-ci d'ailleurs, c'est mars bleu, donc c'est le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal. Un petit peu à l'image d'Octobre rose. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ce genre de mois dédié? Alors c'est un mois dédié à l'information et la communication sur ce cancer, parce que le cancer colorectal est un cancer extrêmement fréquent, 43 000 nouveaux cas par an, et surtout c'est un cancer qui tue encore beaucoup, 18 000 morts par an liés à ce cancer qui est souvent diagnostiqué tardivement en l'absence de dépistage. Et donc il existe un dépistage organisé qui est simple à faire, puisque c'est juste un prélèvement de sel à faire chez soi pour repérer la présence de sang non visible dans les selles, qui permet de faire diagnostiquer l'existence éventuellement de ce qu'on appelle un polype adénomateux qui peut se transformer en cancer. Or, ce test est récent dans le cadre de la campagne. On a changé de test récemment. Donc, on utilise maintenant un nouveau test qui est extrêmement plus performant que l'ancien. Il est très facile à faire, un seul prélèvement de sel à faire chez soi. Et malheureusement, le public a encore un petit peu de mal à intégrer ce dépistage. Alors, qui doit se faire dépister? Est-ce que c'est octobre, c'est mars bleu, c'est que les hommes? Pas du tout. Donc là, le bleu est une erreur de communication, entre guillemets, parce que ce cancer touche aussi bien les hommes que les femmes. Et donc, le dépistage s'adresse aux hommes et aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Parce que c'est à partir de ces âges-là qu'elles plus de chances. Oui. La majorité des cancers colorectaux, 95% en gros, surviennent à partir de l'âge de 40 ans, de 50 ans, pardon. Mmh. Il y a quelques cancers avant l'âge de 50 ans et ce sont souvent des cancers liés à des facteurs de risque familiaux ou personnels. Oui, alors les risques, on a parlé de la bière, hein, l'alcool, il y a d'autres facteurs aggravants. Alors, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas intervenir, donc c'est l'âge. Les facteurs de risque familiaux, ceux-là, on ne peut pas intervenir non plus. Par contre, dans nos habitudes de vie, il y a un certain nombre de choses que l'on peut changer. On sait que la consommation excessive de viande rouge, quand on parle de consommation excessive, c'est plus de 500 grammes par semaine.
c'est pas une quantité. Ça représente quoi, 500 grammes? Bah, si vous imaginez un beefsteak, c'est 100 grammes, un beefsteak. Mm-hmm. Hein, donc, vous voyez, si vous mangez un beefsteak tous les jours, eh bien, vous êtes en consommation excessive. La consommation de graisse saturée de façon excessive. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait un reportage magnifique sur les rillettes et qu'elles n'étaient pas grasses. Il faut en manger modérément. La consommation d'alcool. C'est toute une hygiène de vie, en fait. Voilà, c'est en fait l'hygiène de vie qui intervient. Ce qu'on sait, par contre, également, le surpoids est un facteur de risque. Le tabac également augmente un petit peu le risque de cancer colorectal. Par contre, l'exercice physique diminuerait le risque, mais ça, c'est valable pour un certain nombre de maladies chroniques, hein, le diabète, les maladies cardiaques, et la consommation d'une alimentation plutôt riche en fibres, fruits, légumes, légumineuses, aurait un effet protecteur. Est-ce que des symptômes doivent alerter particulièrement ? Alors, il n'y a pas de symptômes spécifiques du cancer colorectal. Par contre, il y a des symptômes qui doivent alerter. Si constater du sang dans les selles, quel que soit l'âge, mais surtout à partir de 50 ans, ça doit forcément alerter, du sang visible, j'entends. Ça doit alerter et les personnes doivent consulter leur médecin traitant. Pour y refaire le dépistage. Il faut vérifier d'où vient ce sang. Pour terminer, en quelques mots rapidement, donc c'est le mars bleu, des actions sont faites. Oui, alors au cours du mois de mars, il va y avoir la présence de ce qu'on appelle le colon tour. Le colon tour, c'est un colon gonflable, une espèce de barnum, si vous voulez, dans lesquels les gens pénètrent et il y a une explication sur le développement des polypes et des cancers. Donc ça sera à La Ferté-Bernard le samedi 11 mars dans la galerie commerciale de Leclerc à Chéré. Il y aura un stand dans le hall de l'hôpital Le Fontenoy le jeudi 30 mars tout l'après-midi avec des animations associant la Caisse primaire d'assurance maladie, la MSA, la Ligue départementale contre le cancer et le GEMS où on essaiera de sensibiliser le public à ce dépistage de façon ludique. On ne le répétera jamais assez, faites-vous dépister, n'attendez surtout pas d'avoir déjà des symptômes. Merci beaucoup Nicole Moutard d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir donné ce temps de parole. Merci. Des textes et des émotions, c'est le spectacle qui vous est proposé au théâtre Lactalia au Mans dès ce jeudi. Et le principe, faire vivre sur scène l'émotion de la correspondance d'auteurs célèbres ou anonymes. Des émotions fortes, violentes, parfois érotiques aussi. Le tout mis en scène et en musique, une découverte que nous propose Michael Texier. Après le suicide de Patrick Devers, Gérard Depardieu, son ami et complice, va lui écrire cette lettre posthume. Les valseuses, c'était notre bohème à nous, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qu'est-ce qu'on a pu faire chier Bertrand sur ce coup? On ne dormait pas, on débarquait sur le plateau au petit matin, avec nos têtes de noceurs de débauchés. C'était de la grande voyoucratie. Entre nostalgie, tristesse et colère brûlante et brillante, Depardieu vit dans cette lettre posthume. Je m'en fous, je veux pas rentrer là-dedans. Je suis un rebelle, je suis une bête, je m'en fous. La mort, je connais pas, je suis la vie jusque dans sa monstruosité. On sent toute la colère en lui, toute la puissance que peut dégager Depardieu. Et c'est ça qui est admirable dans sa correspondance, c'est qu'on sent là, toute sa personnalité et finalement toutes ses fêlures aussi à Depardieu, il en a aussi. Hein. Un texte à l'image du spectacle fait de la correspondance puisée chez 9 auteurs, célèbres ou anonymes. Des figures majeures comme Céline, Musset, Camus, Jean Kelevitch ou des anonymes aussi. Fruit de 6 mois de travail, de recherches minutieuses, avec un but. En fait, quand j'ai lu les différents textes, je me suis orientée sur différents auteurs en ayant quand même toujours en esprit des textes forts. Donc il fallait que ce soit des auteurs qui ont quand même marqué la littérature française ou étrangère. Et à partir de là, plonger davantage dans leurs écrits et ce qu'ils ont pu réaliser en fait. Des textes soutenus ou accompagnés au piano et au violoncelle sur des musiques de Bach, Schubert, Camille Saint-Saëns, Bizet. Des textes, des émotions, c'est à découvrir au théâtre de Lactalia au Mans dès ce jeudi et jusqu'à samedi, 21h.
Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est la météo et puis ce sera le Face à la Rédac, vous le savez, présenté par Michael Texier depuis le Salon de l'Agriculture. Il sera question ce soir de l'élevage sous label. Vous constaterez qu'un des intervenants a un léger souci de corde vocale, un souci qui a été amplifié par la technique. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. On se retrouvera juste après. À tout à l'heure. 18h15 cette semaine sur LNTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais en Belin.